Et voici donc Lucky Team qui rentre sur le ring. Regardez-le, il a un peu blanchi, mais il est toujours aussi beau. Ce Lucky Team, une histoire tout à fait sympathique. C'était le cheval de cœur de Joël Boinard qui lui a permis d'aller vivre la grande aventure anglaise à Lingfield où il a gagné le Mile Championship, une course richement dotée sur PSF et donc sur le mile sur 1600 mètres. Il a accompli une très belle carrière sur 1600 mètres, ce cheval dur comme un cric, un fils de Namide, gris. Et regardez quel changement de vitesse il avait, parce que regardez son modèle, c'est un cheval tout à fait remarquable, très épais, 1m67. Regardez-moi, je le vois arriver de face, je ne vois pas derrière. Magnifique cheval, très calme et bien né aussi, né localement, élève de Sophie Boulin de Luy, si je ne m'abuse, qui portait sa casaque, et frère de Miss Extra, qui elle a gagné le prix Sandringham et depuis est parti aux États-Unis. Il me semble même que le frère de Lucky Team par Zelzal a gagné en débutant chez Jean-Claude Rouget. Comment s'appelle-t-il? Je ne sais plus. Mais en tout cas, on va le revoir, ce frère de Lucky Team. Acheté par Al-Shakab, donc ça peut très bien se présenter. Il a débuté l'an dernier au haras de la N9, ce Lucky Team. Et évidemment, Joël Boinard y a mis des juments. C'est un cheval très intéressant qui sera proposé à 1 200 €. 1m67 pour ce cheval qui combinait vitesse, dureté, qui a compris une belle et longue carrière, spécialiste de la PSF et qui a donc connu son grand moment à Lingfield. Voici pour Lucky Team.